Eh bien, nous voici de nouveau en direct sur le central de Roland-Garros. Voilà, notre idée première aujourd'hui était de vous montrer en très léger différé le match qui a opposé tout à l'heure le Suédois Björn Borg, que nous avons assez peu vu jusqu'à maintenant, opposé au Mexicain Raúl Ramírez. Et puis nous avons changé d'avis et nous allons entrer de plein fouet et en plein direct sur le match Dibble Baradzuti, tout simplement parce que le match entre Borg et Ramírez n'a pas été bon du tout. En effet, Ramírez a commencé à jouer très bien puisqu'il a mené 3-0 dans le premier set, alors que Borg ne jouait pas bien du tout. À ce moment-là, il y a eu un incident d'arbitrage, je ne dis pas une faute d'arbitrage, mais un incident. Et à partir de ce moment-là, Ramírez n'a pratiquement plus défendu ses chances. On a eu l'impression même ici qu'il balançait, comme on dit, un peu la partie et que cela en devenait un petit peu indécent vis-à-vis du public. Et pourtant, Alain Escoubet revient dans notre cabine. Il est allé parler un petit peu avec Ramírez pour lui demander s'il avait le droit, en tant que professionnel, de jouer aussi peu motivé et une partie aussi importante. Et Ramírez a dit non, vous vous trompez. Finalement, j'ai été un petit peu déboussolé par cet incident d'arbitrage. Et puis après, je me suis rendu compte que contre Borg en ce moment, il n'y a rien à faire, il est imbattable, il n'y a rien à faire. J'ai tout essayé, j'ai pas pu, mais le match ne vaut pas la peine d'être montré. C'est la raison pour laquelle Pierre Darmon, nous voici dans un match qui se présente bien entre deux inlassables renvoyeurs de balles, entre Baradzuti et Eddie Dives, pour vous dire que c'est l'Italien Baradzuti qui mène actuellement dans le premier set par 3-2. C'est une partie qui va durer très longtemps, Pierre. Et oui, je pense que c'est une partie qui va durer, car nous avons devant nous deux excellents renvoyeurs qui sont très à l'aise du fond du court, qui jouent très bien en défense, qui éventuellement même peuvent venir gagner des points à la volée, mais dans ces circonstances et avec des joueurs aussi défensifs, ils n'osent pas venir au filet, et de ce fait, ils jouent un petit peu au chat et la souris pour essayer de se créer des ouvertures du fond du court. Voilà, encore quelques mots pour vous présenter les deux acteurs. Dibs a 27 ans, il a déjà été en demi-finale des Internationaux de France en 1976, battu par Panatta. Quant à Corrado Baradzuti, l'Italien qui vient encore de gagner un jeu et qui mène maintenant par 4-2 dans la première manche, Baradzuti a été demi-finaliste l'année dernière à Forest Hills et il est le numéro 1 italien. Que je vous dise tout de même que Borg a battu Ramírez 6-3, 6-3, 6-0 et que ce match n'a pas du tout tenu ses promesses. Voilà, maintenant nous suivons la partie alors que Baradzuti a fait la différence, a fait le break dans cette première manche et qu'il mène contre l'Américain par 4-2. Match très équilibré néanmoins, puisqu'il y a de cela quelques points. Dibs avait une balle de 3 partout. C'est surtout par ce type de contre-pied et d'attaque rapide du fond du court que se gagnent les points actuellement, plus que par des points terminés à la volée. À noter qu'il ne donne ni l'un ni l'autre l'impression d'être très athlétiques, ils ne le sont pas d'ailleurs, du moins quand on regarde Baradzuti comme ça avec les épaules de voûtées, on imagine mal un athlète et pourtant ce sont deux garçons qui ont des ressources d'énergie incroyables. Effectivement, ils ont besoin de pouvoir tenir longtemps, donc, du fait même de leur type de jeu, ils ne peuvent pas gagner rapidement des parties, ils ont besoin de tenir très longtemps. Quarante-quinze.
joué de la part de Barazzetti. Oui, c'est bien joué, mais 40-30. Toujours est-il que même pour un joueur comme Dibbs, qui n'est pas un bon volleyeur, c'est tout de même étonnant que sur cette volée, où il avait tout à fait l'initiative, il ne puisse pas finir le point. Ils ne paraissent pas, certes, très athlétiques, mais leur balle va très très vite, encore plus vite même qu'une balle liftée. Ah oui, la balle va très vite, le retour est joué en avançant très rapidement, mais à défaut d'être plutôt puissants, ils sont néanmoins athlétiques parce qu'ils sont très rapides de jambes, d'une grande résistance, et je crois que c'est une forme de tempérament athlétique à défaut d'avoir une morphologie puissante. Avantage, Barazzetti. Jeu Barazzetti. Voilà l'Italien Barazzetti qui se détache dans ce premier set puisqu'il mène par 5 jeux à 2 face à Eddie Dibbs. Il n'y a pas très longtemps, ils se sont rencontrés dans une demi-finale de la World Championship Tennis, l'association américaine à Dallas. Et c'est pourtant Dibbs qui l'avait emporté en 4 sets sur Barazzetti. C'est un peu la revanche de ce match-là aujourd'hui. Et on voit là encore une volée très décevante de Dibbs qui n'aurait pas dû commettre cette erreur. C'est dommage car ces quelques erreurs à la volée le découragent et je pense qu'il hésitera encore plus qu'il ne le fait à venir au filet. Je crois que néanmoins, même pour Dibbs, c'est un garçon qui joue essentiellement du fond du court, c'est à la volée qu'il devrait venir gagner ses points. Et voici Eddie Dibbs, maintenant un garçon extrêmement accrocheur, le style de jeune américain de Californie qui se bat sur toutes les balles, qui peut rester des heures sur le terrain, qui a une très bonne frappe de balle, très rapide. Mais Barazzetti est devenu en l'espace de quelques années lui aussi un sérieux client, si je puis dire, car il se situe maintenant, Barazzetti, sur terre battue parmi les 10 meilleurs joueurs du monde. Et oui, il ne sait pas où terminer le point, ce qui l'amène à tenter des coups difficiles. Fanta. Quarante-trois.
allez vite là, les derniers échanges. Et oui, c'était la première balle de 7 pour Baradzuti qu'il laisse passer sans beaucoup de réussite. La cadence est très rapide et ce qui me frappe aussi, c'est que d'une manière générale, à ce niveau, les joueurs jouent long pour éviter que l'adversaire vienne gagner le point à la volée. Alors que là, étant donné que ni l'un ni l'autre monte au filet, il est beaucoup moins important pour eux de soigner la longueur de balle. C'est pour ça que souvent, leur balle arrive à peine plus loin que la ligne de service. Deuxième balle de 7 perdue par Baradzuti. Avantage. Ah, c'est la deuxième double faute de Baradzuti dans cette fin de premier set, alors qu'il a eu plusieurs fois des balles de set pour lui. Certes, le service qu'il a d'ailleurs amélioré n'est pas son point fort, mais enfin, ce sont des doubles fautes qui viennent au mauvais moment. Une bonne cadence de jeu et on vient de voir le coup le plus fort de Baradzuti, son passing sur le revers. Et oui, ça, il ne faut pas s'aventurer imprudemment sur le revers de Baradzuti. Dibs l'a fait, ça lui a été fatal. Avantage Baradzuti. Je et première pleine ligne le service de Baradzuti. Moi je suis étonné Pierre par les progrès qu'a pu faire ce garçon en l'espace de 2 ans parce que Baradzuti est devenu maintenant un très grand joueur dans les circuits.